Bonjour, donc aujourd'hui c'est pour une vidéo de déballage de la PSP 3000 Piano Black. Alors, voilà. La nouveauté de cette console, il le précise bien ici, c'est un microphone intégré. Pas très bien, mais je vais vous montrer après sur la suite. Alors, nous avons la notice, tout et tout. Alors, ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a. Le manuel. Un autre manuel, encore une fois. C'est-à-dire deux manuels. C'est-à-dire, je crois que celui-là c'est la version européenne, mais ça c'est version à part. Ah non, ça c'est la version. Ça c'est le manuel de sécurité. Ça c'est le manuel pour faire fonctionner la console. La plupart des gens s'en foutent, ils ont raison. Alors après, on a le chargeur. Et de la publicité plus la batterie. Ça, ouais, eh oui, elle est fournie. La batterie, il faut la mettre à part. Alors, et là, bien sûr, on a la PSP 3000. Alors, ça, plus rien dedans. C'est vide. Alors, ça de côté. Après, soit. On a alors la PSP 3000, des balles. Sachant qu'elle n'est pas fournie avec carte mémoire, il faut l'acheter à part. Moi je l'ai fait. C'est une memory stick Sony Duo. Voilà, et moi je me suis acheté aussi GTA Grand Theft Auto, hein, ou Artist Stories. Donc voilà la console. Ça, ça va. Voilà, vache. Claque. Alors. On va alors. Donc maintenant. Ce manuel, on s'en fout un peu. Alors après, on a la batterie. Déjà, je vais. Avec la publicité, et là voilà la batterie. Alors, hop, attendez, la petite PSP, elle se met où? Non, c'est pas attends, non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Ouais, là, je sais pas si vous voyez le petit embout là pour la batterie. Alors, ça, il faut appuyer dessus et retirer le cache. Là, j'ai jamais eu une PSP donc. Hop, voilà le petit cache. Ensuite, vous avez la batterie. Alors, vous la mettez de ce sens-là. Et de l'avant vers l'arrière. Comme ça. Donc, attendez une seconde. Hop. Là, voilà, je disais. Alors, on va remettre le petit cache avec bien sûr la signature de Sony gravée dessus. Elle a foussé déjà des traces de doigts. On va remettre le cache. Voilà, cache remis. Alors, voilà le petit micro ici. Ah merde. Il est là. Bien planqué. Alors, après, donc.
Je vous propose d'allumer la console parce qu'elle est livrée avec de la batterie. Là. On a le chargeur. Non, je vais déballer après d'ailleurs. Ah, attendez, il y a les paramètres. Alors. Voilà, après. Alors, il est midi 5. Là. Après, date. C'est bon. On va zapper, 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 hop. Voilà. J'ai zappé. Alors. Donc, gestion du compte. Moi, je me suis déjà inscrit. Sens. Si j'ai inscrit, je me connecte toujours avec mon compte de PS3 dessus. Ensuite, on a le partage de jeux, vidéo. Ah, voilà, regardez. On n'a rien, on n'a pas de mémo stick, c'est pour ça qu'il faut en acheter un, sinon on peut rien sauvegarder sur la console. Alors, on va mettre le petit mémo stick du jeu. Le voici. Hop. Pose la caméra. Ça va pas rentrer. Voilà, il fallait bien le mettre au fond. Ah. Ensuite, la Play Store indisponible pour l'instant. On a partage de jeu et maintenant on a le mémoire stick. Si. Alors. Le menu, network, réseau, jeux, vidéo, musique, photo, extra. Alors, je vous dis, donc ça va, bof, je trouve, bon, c'est bien, c'est nul, c'est bien. Ça, je sais pas quoi ça sert, donc je peux pas dire. Alors, après, on a un jeu, etc., etc. Donc voilà, c'est un PSP 3000, hein, c'est une vidéo. Donc maintenant, attaquons Grand Theft Auto. Rien. Et on va mettre ici dans le port UMD que voilà. Ça va être chaud moi avec une main. Oh là 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 là. Ah merde! On va faire comme ça. Voilà. Le petit bruit. Disque. Et là, ce qu'on a dans le jeu, MD qui va apparaître. Et ouais. Et regardez. Voilà. Donc après. Skype, c'est pour appeler. Canal RSS. Radio par internet. Dans les vidéos, il faut mettre le format MPEG. Soit passons. Après, on a. Bon, par exemple, dans les musiques, on a le mémoire stick. Moi, j'ai des musiques. Voilà, donc soit passons. Radio par internet, c'est ça. Ça ne fonctionne pas en plus.
Ah oui, j'avais oublié de vous montrer le joypad. Alors, oui, vous mettez oui. Voilà, donc la présentation de la PSP 3000. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.